Et salut à tous, c'est Cube Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour pour la survie Minecraft modée. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super bien. J'espère que vraiment là, tout le monde va bien, car ça va être une vidéo un peu très court, car je voulais vraiment vous montrer ce mode qui je trouve incroyable, qu'on va énormément utiliser. On voit déjà qu'on va beaucoup trop utiliser dans cette survie. J'ai installé en fait deux nouveaux modes. Un qui est incroyable et l'autre mais tellement indescriptible, vraiment. Donc le premier c'est celui là bon, alors ça donne pas envie comme ça, mais je vais vous montrer le potentiel de ce mode avec ceci. Je sais même pas si j'ai de la redstone en réalité. Je n'ai pas de redstone en réalité, donc je vais pas vous montrer ça. Je vais plus vous montrer. Ça coûte quoi ça? Ça coûte des bougies. J'ai pas de bougies. Ça, plus ça, ouais. Ah, mais j'ai toujours pas de redstone. Lui. Oh la vache. Et je crois qu'il avait bugué. Il voulait pas m'attaquer. Alors, le seul problème, c'est ce bloc-là qui est bugué. C'est le seul bloc qui est bugué parmi tout ça. J'avais vu des livres. Est-ce qu'on a des livres? On a rien. Bon, pour ceux qui ont compris, c'est un mode de déco, mais incroyable. Je l'ai testé en créatif. Ça met réellement le temps de Minecraft, je crois. Et vraiment, ça, c'est une pendule avec du son qui fait clop, clop. Bon, je peux pas vous le décrire. En fait, il faudrait que je vous le montre, mais je n'ai pas de redstone. Mais c'est tellement génial. Ça aussi, c'est vraiment... Tout est fonctionnel. Tout. Si j'ai peut-être un item que j'ai crafté, je sais plus où. Ah, c'est celle-là. Voilà. Alors là, pour l'instant, bon, c'est le seul objet que j'ai pu crafter qui est pas insane. Enfin, pas insane. Voilà. On commence à voir le potentiel que ça peut avoir. On peut pas s'asseoir dessus, malheureusement. On peut juste le péter. Je suis déçu par rapport à ça. Et sinon, tout est incroyable. Ça, on peut réellement stocker des trucs. Je peux faire ça, par contre. Des bâtons. Tac, tac, tac. Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Donc si je fais ça... Bon, c'est rien, mais du coup, on peut poser des trucs dessus. Des items, je sais même pas comment ça se craft. Ah, mais il n'y avait pas tout. Oh, ça, c'est cet item ici. Vraiment, tous les items sont incroyables en réalité. Il y a un objet, je me pose la question, comment ça se craft. J'arrive pas à le trouver. Là. Deux de verre, ok. J'ai pas de sable alors, on peut pas tester. Et le deuxième mode, du coup je peux pas vous tout montrer non plus le potentiel de ce mode. Et voilà. J'essaie de le trouver assez rapidement, c'est celui-ci. Donc si on marque storage, vous avez vite compris hein. Alors il n'y a pas tout, j'ai l'impression. Ah, c'est stockage, pardon, excusez-moi. Bon, il veut pas s'enlever. Alors, ça va coûter très cher, mais c'est insane. C'est fonctionnel, hein. Franchement, oui, j'ai testé. Donc, ça va être ça qui va être très important. Donc ça c'est l'interface principale où on pourra connecter la télécommande. La télécommande voilà, comme vous voyez. Donc ça va être important aussi. Ça aussi, bref c'est... Ça se verra au fur et à mesure des épisodes. Mais donc franchement ces deux modes là que j'ai mis sont vraiment mais incroyables.
Donc stockage, je sais plus quoi. C'est comme Applied énergétique, je crois. Storage. Ah, j'ai plus le mode. Mais bref, c'est. Vous devez avoir des disques durs vides et tout. Et faire gaffe parce que dans le truc, il peut plus avoir de place. Bref, je sais plus du tout comment. C'est incroyable. C'est complet. Donc, comme mode. Franchement, c'est assez intéressant. Oh mince, je t'appelle Papillon. Donc, c'était les deux modes que je voulais vous présenter à tout prix parce que franchement, je les trouve, mais ils sont, mais juste génial. Surtout ça, franchement, ça c'est mon truc un peu favori. Parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai pas beaucoup de. J'ai pas beaucoup. De faire je peux faire combien de livres on va pas tout consommer non plus, voilà, ça sera largement suffisant. Maintenant je peux créer une étagère. Comment ça se craft une étagère? Ça c'est ça, des dalles. Donc si on fait ça puis ça, là vous allez comprendre le potentiel du truc. C'est incroyable, c'est génial. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment, on peut décorer mais vraiment à sa manière. On peut faire pareil avec les bouteilles, hein, c'est-à-dire on peut poser une seule bouteille, par exemple, si je... Ouais. Ah oui. Alors oui, je peux pas faire sur ça, si je peux... Non, je peux pas. Regardez, un livre, deux livres, trois livres, et le maximum, je crois que c'est quatre, peut-être. Je sais plus. Bon, bref, ça fait une pile à la fin, alors... Mais donc c'est ce mode là que je voulais vraiment, ces deux modes là que je voulais vraiment vous montrer. Enfin oui non, parce que celui là oui je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Enfin oui non. Mais le truc qui permet de faire le stockage là, ouais je l'ai découvert aujourd'hui. Et quand j'ai vu le potentiel, j'ai testé en créatif et le potentiel mais est immense hein. Quoi de nouveau, j'ai pas trop avancé sur sur la maison, franchement, je pense pas. Ouais, non, j'ai pas avancé. J'ai continué à. Ah, si, j'ai récupéré énormément de ressources. Parce que, bah, il commence à en avoir besoin. Au point de remplir les fours. Donc, j'ai rempli ce four-là de un stack. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi pour tester de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Bon, pas grand-chose qu'on peut faire pour l'instant. Donc, ça sera à voir dans le futur, ça. Mais ça, c'est toujours pratique d'avoir... d'avoir autant de choses... Enfin, d'avoir ça, ça... J'ai vu qu'on pouvait avoir des armes un peu cheatées, surtout une arme qui fait 18 de dégâts sans enchantement. Et du coup, bah vous faites P5, enfin le penchant 5, ça fait du 24 de dégâts. 24 de dégâts pour une arme. C'est énorme. Comparé à l'épée en netherite, tranchant 4, c'est 14 de dégâts. Donc, c'est pas la même affaire. Je regarde si je vous ai à peu près montré les modes que j'avais installés. Je pense que oui. Ah mais vous êtes toujours incroyable. Ah ça aussi, ça fait longtemps que j'avais installé. Et ça aussi, ça va être très très intéressant. On va pouvoir planter des minerais. Parce que il y a des modes qui demandent énormément de ressources, comme vous l'avez vu, de l'or, bref. Et même là-dedans, ça demande des quantités de fer. Mais ouais, vous voyez, du fer... du charbon, bref.
Donc j'ai installé un mod comme ça, mais ça faisait un peu longtemps. Ah, je voulais encore vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes épisodes. Et franchement, merci encore. Hein. C'est vraiment un épisode un peu pour vous montrer les updates. Les updates. Taquin. On va peut-être continuer un tout petit peu la maison, peut-être. Eh, mais ils sont inoffensifs maintenant. Bon, je pense qu'ils sont peut-être. Ils ont l'air fatigués aujourd'hui. Tant mieux. Ça me laissera tranquille. Incroyable, Noche. Le gars, il dit incroyable, il pète la ruche en dessous de la. Des abeilles. Genre, super, des abeilles. Ah, mais vous commencez à marceler là. C'est du harcèlement, monsieur. J'ai toujours pas vu qu'est-ce que je voulais faire au niveau de ça. Mais je pense qu'on va laisser comme ça. Faire ça. 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 Vous allez voir. Ah ouais, c'est le problème, c'est ici. Alors peut-être que, justement, le problème, ça va être réglé. Ça va être ça. Et ça. Et comme vous avez vu, la colline, je l'ai... Bah, elle est, en fait, elle est nickel. Elle est incroyable. J'ai laissé un peu comme ça parce que je trouvais que ça fait vraiment colline. Hein. Ça fait pas montagne de terre ou je sais pas quoi. Non, ça fait un peu une colline. Donc, je trouve ça un peu mieux. Voilà. Tac. J'ai mis une bûche là. Ouais, j'ai mis une bûche là. On va monter à 4. Hein. Tac. Ah, oups. Oh bah super, j'ai cassé ma hache. Bon là, faut pas qu'on fasse d'erreur. J'ai eu une longue vue dans une caisse. Je l'ai eu par hasard. Donc j'ai pas pu vous montrer ce que c'était. Donc j'ai eu une longue vue. Et on peut voir plein de choses, il me semble, des trucs un peu hasard. Et moi j'ai eu une longue vue. Ok. 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est bon. 3, 4, ça c'est bon. Alors, voyons voir. Ça a l'air d'être assez intéressant. Voilà. Après, faut tester avec ça. Bon, on peut faire une vitre. Là ? Pourquoi là ? Je peux faire une vitre, c'est pas là. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Ici. Ah, il n'y a pas de bûche ici. Ah, je me suis couru ici. Ouais, je m'étais gouré, ok. Ok, ok. Oh, bah on règle ça tout de suite. Hein. C'est pour ça que je trouve ça bizarre ici. Pour l'instant, je suis sur tout ça là. Voilà.
déjà 14 minutes. Donc. Bon bah voilà. Je vous dis dans le prochain épisode qui sera je sais pas quand. Ciao ciao.